Salut tout le monde, c'est moi Chuck avec un autre épisode de Feed the Beast. Aujourd'hui, on va continuer avec les abeilles. J'ai réussi à ramasser l'autre épisode, j'ai dit que je voulais ramasser du propolis. Du propolis. Ces gentils petits messieurs ici, là. J'en ai en masse pour faire ce que je veux faire, ben je pense bien que j'en ai en masse. Parce que comme d'habitude, j'ai pas rien fait en avant, j'ai pas pratiqué dans un monde créatif ce que je vais faire. Fait que ce que je fais là, c'est direct live, puis si je me plante, je me plante. Ouais, ça devrait marcher. J'espère. J'essaie un nouveau système, c'est avec les Logistics Pipe. Pourquoi je suis descendu ici, moi? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ma ferme à cochon marche merveilleusement. C'est merveilleux. Je suis rendu à 2920 lingots de porc. OK. Là, ce que je veux faire. Logistics. Je veux vraiment. C'était tuyau-là, ici. C'est pas trop compliqué à faire, comme qu'on peut voir. Alors, ça me prend des basic logistics pipe. J'en ai dessus. On va aller voir. Basic logistics pipe, j'en ai pas. Ouais, fais-moi-en vite. On fait ces tuyaux-là, puis je pense bien que ça va faire. Je suis pas habitué avec ces tuyaux-là. J'ai déjà travaillé avec des abeilles déjà. C'était des autres tuyaux APRS pipe, whatever. C'est plus complexe, puis fonctionne avec logistics pipe. Fait que je vais essayer eux autres. Je suis sûr que je suis capable de faire quelque chose avec ça. Vous allez voir. Vous serez pas déçus. J'espère. Logistics. Là, t'es fait-tu les tuyaux? T'es fait-tu ou t'es fait pas? Diamond Transport Pipe. Pourquoi il fait pas le Diamond Transport Pipe? Ah ouais! Oh, il sait pas comment il faire. Ah, ben on va y montrer, on va y montrer. Pipe. C'est pas ça. C'est pas celle-là. Où es-tu? Où te caches-tu? Elle est. Voyons. Mzuli, what the fuck is that? Voyons, je t'avais ou. Ok. Je l'avais. C'est bien ça. Diamond Transport Pipe. Comme oh, il doit être là. Ah, oh, puis mangeons de la chenille. Je peux-tu faire ça de même? Tiens. Hein. Je n'ai pas trouvé la recette. Elle était peut-être là, je ne l'ai pas vu, juste moi qui étais avec, mais c'est pas grave. Bon. Ok, on recommence. Ils ont-ils fait? Ah, c'est toi qui as appelé. Bon, j'ai de la misère à écrire aujourd'hui. Logistics pipe. Yeah, ils ont fait. Bon, ok. Là, ça prenait le carpenter. Right. Leasing. Ouais, carpenter, propolis, redstone, puis les tuyaux, puis du miel. Oh, j'ai tué un autre carpenter, lui, il est plein d'eau. Ok, on va se faire un autre petit carpenter. On va pas tenter un autre petit carpenter ici, puis je. Bon, là, je fais un carpenter. Il y a du miel dedans. Là, j'ai besoin, j'ai dit, du redstone. Il y a ici mon joli. On prend ça. On met lui ici. On met ça. C'est-tu de même? Je crois que oui. Puis ça, comme ça. Et. Tu fais-tu quelque chose, s'il se passe rien, y a-tu assez de miel? Je me suis fait une pipette pour prendre du miel là, puis transférer ça ici. Ah, c'est ça, il n'y a pas assez de miel. Fait que je suppose que pour me faire deux tuyaux, on va commencer au moins avec deux tuyaux. Ok, on va prendre encore du miel. Éteins-toi. Alright. J'ai un tuyau, deux tuyaux. On va commencer avec deux tuyaux. Mais j'ai réussi à faire un setup avec ça. On se cassera la tête.
pour d'autres rushs. Là, je voulais. On va amener ça, ça va être assez. Je vais peut-être en faire d'autres. Et puis S-Pipe. Ça, c'est les originales que je parlais tantôt. Si tu fais ça de même, c'est pas bien compliqué. Moi, je vais aller un peu plus fancy. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Fait que. Golden Fluid Pipe? Non. J'ai bien aimé trouver mes tuyaux, lui. Mais là, je me casserai pas la tête. Golden Transport Pipe. Bon, ok. Jeez. Compliqué ça. On va s'en faire une coupe. Hein? Comme ça. Un peu plus. Je devrais en avoir mal de ça. Hein? Ok. Oh, wow, il fait beau. Non, je vais me coucher puis je reviens. Bien, ok. Là, je pensais à ça. Pour l'énergie, parce que, comme de raison, les réseaux logistiques ont besoin d'énergie pour fonctionner. Je vais me connecter sur le même réseau qu'ici. Je pense pas que ça interfère ou qu'il y ait de problème. Fait que, comme ça, je suis pas obligé de passer d'autres tuyaux de même puis commencer à gosser avec ça. Fait que moi, ça fait du réseau qui est déjà en place. Là, comme j'ai toujours dit, quand il y a une intersection, on met ça. Fait que, toi, enlève-toi de là. Et voilà. Passe les tuyaux. Moi, passer en dessous ici. Là. Ouais. Oups. On a une intersection ici. On fait ça de même. Ploum. Ploum. On y est, attends. On y est, ouais. Ça. Là, ici, j'aurai besoin de ça, je suppose, vu que j'ai intersection. Là, je suppose, encore là, je suppose, peut-être que je suis à côté de la traque BRL, là, mais on va le faire fonctionner. D'une manière ou d'une autre, ça va fonctionner. Ça, c'est garanti. Là, je ne lâche pas prise. Je peux me planter, mais je finis toujours par faire marcher mes machines. Là, ici, oups. Ça. Là, il n'y a pas rien touché. Parfait. Ça, oups, pas ça que je voulais faire. Ça, en théorie, je peux les configurer. Probablement qu'en right-cliquant avec ça. Ok. Anyways. Ah, ça serait pour spécifier. Ok. Wow. Ok. Puis ça, c'est Group Color Red. Ok, c'est quoi ça? Ok. J'aurais peut-être dû m'informer un peu. Je vais aller faire un petit peu de lecture, puis je reviens. Ok, j'ai télé. Pense bien, j'ai compris. J'avais déjà préparé en avant. Je sais pas, je les ai mis ici, j'espère. Non, bien sûr. J'ai ça, mais j'ai pas les modules qui vont avec. Oh, ça, c'est pas un problème. On va prendre notre belle petite invention ici, merveilleuse. C'était des modules de quelque sorte. C'est ceux-là ici. Oups, non, de même. Et voilà. Ça, c'est des extracteurs modules. Eux autres, ils servent à aspirer un objet d'un inventaire. C'est des modules, faut que tu mettes ça dans un châssis. OK? Ça a peut-être pas de sens ce que je dis là, mais vous allez comprendre dans une minute. Ça, c'est un châssis. Ça me permet de mettre des items. Ça, c'est des marques 4. Marque 1, 2, 3, 4, 5. 1, tu peux mettre un module. 2, tu mets 2, 3, ainsi de suite, etc., etc. Ad vitam aeternam. Moi, je veux juste un extractor module. Ça, ce que ça fait, l'extractor module, ça aspire qu'est-ce qu'il y a dans l'inventaire. T'en as trois modèles, marque 1, marque 2, marque 3. Marque 1 fait un item à toutes les, genre à toutes les secondes. Marque 2, c'est genre un stack à toutes les secondes. Puis marque 3, c'est un stack à toutes les ticks. Puis dans Minecraft, un tick, c'est, t'as 10 ticks par seconde. Ça veut dire, tu fais 640 items à seconde. Fait que ça aspire, c'est un vrai vacuum.
OK. Eux autres, en configure. Là, il est marqué Anybees. Ça veut dire insère ici n'importe quelle abeille. Moi, je veux pas n'importe laquelle. OK. C'est quoi qu'on a là-dedans? On a des Meadows. Je vais dire, mais juste des Meadows, là. Tu vois, Meadows. Si tu juste. OK. Je peux pas spécifier princesse ou quelque chose. Parfait, même. Fait qu'en théorie, il va reprendre les Meadows. Ils vont se faire. Aussitôt que je vais connecter le tuyau, en théorie, si j'ai bien compris comment ça marche le système, je me fais pas d'illusion que peut-être je me suis mis le doigt dans l'œil, mais ça, c'est pas grave. On va dealer avec ça. Mais je connecte le tuyau. Là, il va être connecté. Fait qu'il va commencer à aspirer les abeilles. Puis en théorie, il devrait réinsérer des. Ces gars-là, ici. Puis ceux-là vont se faire aspirer dans le système, puis vont se faire détruire. Ah, c'est pas grave, on fait du test, c'est juste une question de test, c'est pas grave. Fait qu'on voit, j'ai raison. Touche, il a aspiré. Non, ça va pas marcher. Ah, oh. Oh well. J'ai bien dit Meadows. Ah. Ah, fais-tu je dise princesse? Non, Anybees, n'importe quelle. Anybees, Meadows. Faut-tu je dise de matcher un groupe? Fait que là, ils sont. Mes affaires sont disparues. Oh. J'aurais pas dû détruire. Parce que là, ils vont passer un tuyau, il n'y avait pas une destination, il y a une destination par défaut qui est ici. Check bien ça. On va se faire un petit Ender Chest, puis on va remplacer ce tuyau, ce Void Pipe-là, par un Ender Chest. Ça, c'est si. Il me reste assez d'obsidienne. On va se croiser les doigts. Please. Please, please. Pretty please. Yes, sir. Chest. Donne-moi en un. Begin. Allez. Mes poupées. Là, faut le colorer, comme de raison. Red. J'ai besoin de deux domaines. J'ai besoin de lapis. Un lapis, puis j'aurai besoin d'un diamant. Bon. What? Ok. J'ai pas mis la bonne affaire. C'est pas grave. On va régler ça. Un. Là, un là. Tu t'en viens, là, tu t'en viens sur le latch. Et voilà. Fait que là, au moins, nos affaires ne seront pas détruites si ça marche pas. Parce que là, j'ai pas des tonnes d'abeilles faire des tests. Fait que si ça marche pas, puis ils se font aspirer vers le bas, ben ça va aller dans le système, puis on va survivre. Là, pourquoi ça n'a pas marché? Je vais retourner l'air et je reviens. Bon, je vais aller à la méthode traditionnelle. J'ai pas réussi à comprendre comment ça marchait leur affaire. Je vais prendre ma méthode traditionnelle, puis entre les épisodes, je vais m'informer comme du monde pour vous faire une émission qui a plus de bon sens. Mais pour le moment, checkez bien ça. On va vous montrer si vous voulez commencer, vous voulez faire un système vous autres même. C'est pas de problème, c'est relativement simple. Je me suis fait un gate, mais je n'en ai peut-être pas besoin. Dans le fond, moi, tu sais ça, je me suis fait un tuyau parce que tantôt, j'ai peut-être ça rapport avec l'essence. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Pourquoi j'ai dit peut-être que. Bon, je t'en ai scrapé mon terrain. Je peux arracher mes fleurs. Non, pas les fleurs. Ok. On se calme. C'est juste des fleurs. Tiens. Ouais, ça paraît pas. Vous avez rien vu. Ok? Ah, c'est cool quand on a des petites fleurs partout. Je connais pas celle-là. Ok. Bon, ok. Focus. Focus, Chuck, focus. Ici, on va. Je sais pas. Ok, ça n'a pas rapport. Toi, il est ici. Là, ici, je vais mettre mon APS pipe. Non, ça c'est un wooden pipe.
Apiaris. Mon dieu, c'est dur à prononcer ça. Comme ça. Là, vous voyez, il y a des couleurs, cette rouge, noir, je mettrai un autre tuyau ici. Là, on voit, il y a bleu, il y a une autre couleur en haut. C'est important, ces couleurs-là. OK? On va vous montrer dans 2 secondes pourquoi. Là, sur le dessus, ici, je vais mettre un autre de ces châssis-là. Lui, il va extraire. On va connecter ça. OK, tout est connecté, tout est beau. OK, lui... Alors, c'est vrai, je vais cliquer avec d'autres choses. Comme je dis, c'est important la couleur. Là, c'est rouge. C'est le côté rouge qui nous importe pour le moment. On va dire... Any bees. N'importe quelle abeille que tu vois, piche-le par là. OK? Parce que là, les abeilles vont sortir du top ici. Quand il va arriver ici, il va dire, ah, des abeilles, ça va par là. Fait qu'il va y remettre dans la ruche. Puis le noir, qui est par en bas. On va dire anything. Le reste, les cônes, les rayons de miel, eux autres, ils vont continuer de rester. Fait que là, ils vont aller dans le système, eux autres vont aller dans les choses par défaut, ils vont aller dans le coffre là-bas. Tout de suite dans le système, ça fait processer, ça fait transformer en miel. Enfin, théoriquement, c'est ça qui devrait marcher. Ça devrait marcher, ça devrait faire ça. Je sais pas. Lui, on va y mettre un extractor module pour qu'il extrait les abeilles quand ça va être fini, ou le miel à mesure. Là, lui, il n'y a pas de manière de le savoir si ça va marcher. Fait qu'on va faire un petit setup pour lui. Ça me prend une autre API Respire. Bon, on va en faire un vite fait. Je vais vous montrer. Ben, je vous ai montré vite fait tantôt la recette pour faire ça. Pas grave, on va en faire un avec vous autres. Des fois que vous devriez savoir. Fait que ça me prend, hein. Un ça. Ça va prendre du propolis qui est encore dans la machine ici. 2. Mon dieu. Ok. Les petits messages. J'ignorais ces sons-là. J'ai reçu une couple de messages. Alright. APS Pipe. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué à faire. Ok, ta gueule, toi. Fait que c'est pas bien compliqué à faire, hein. Lui, il y a ça ici. Fait que ça va être correct. Ça de même. Ok, là, c'est sérieux, le problème, toi, là. On peut-tu lui dire de se fermer la boîte, lui, là? Ça marche-tu, ça? Ok, bon, c'est que j'en étais. C'est bien ce tuyau-là. Ouais, Epirus Pipe. On va faire le même setup ici. Fait qu'on dit rouge. Enemies. Noir. Anything. Lui, les abeilles sont déjà dedans. Fait qu'on va voir si ça marche. Je vais mettre mon extractor module en haut là. Mettre mon châssis en premier. Mon châssis. On va aller configurer ça. On va mettre un extractor module. Là, en théorie, aussitôt je connecte ça, ce qu'il y a dedans ici va se faire aspirer. Les abeilles vont retourner là-dedans. Puis le reste continue par en bas. OK? Et voilà. Parfait. Les abeilles sont retournées là, ils vont faire une reine. Touche. Là, c'est pas grave, ça reste ici. Mais qu'il arrive, mais qu'il y en ait 64 ici, ben, le reste des abeilles, là, ils vont continuer tout droit, puis ils vont aller dans le système. Fait que ça va se remplir tranquillement pas vite. Fait que là, la ruche est automatisée. Ils vont faire du miel, doudoudou, ils vont faire du miel. Ça va se faire respirer, envoyer dans le système. Quand les abeilles vont être finies, quand la reine va être vieille, puis elle va mourir, ben, les abeilles qui vont apparaître là vont se faire relancer là. Fait que là, ça va être un cycle infini. Fait que ça va produire beaucoup de miel. Je vais avoir besoin de beaucoup de miel pour ce que je veux faire plus tard. C'est pas merveilleux. Fait que lui, ça va être la même histoire. Là, ça prendrait un système pour mettre des frames automatiques. Ça, je pensais prendre mon système Applied Energistics. Mais, ça impliquerait prendre des câbles d'en haut là-bas, puis faire un trou jusqu'ici. Ça serait quand même une job. Ça serait faisable. Je pense pas qu'il y ait de distance maximale. Je pense que la distance maximale pour un câble de Applied Logistics, c'est 250 blocs. Fait qu'on devrait être correct. On l'essaye-tu? On va l'essayer. Ouais, j'ai encore le temps. On l'essaye. Je vais faire des câbles. Puis je reviens. Bam! OK. J'ai
J'ai passé un câble dans la montagne, tout partout, en dessous du sol, jusqu'ici. On le voit passer ici, il passe là, puis il sort ici. J'ai déjà fait des petits trous. Là, ce qu'on fait avec ça, on va se croiser les doigts. On va mettre ça là. Ça là. OK, pas configuré, parfait, lui non plus. OK. Là, il faudra lui dire de mettre des frames là-dedans. Mettons. Je sais que j'en ai déjà fait, right? J'en ai trois déjà faites. Donne-moi-en un. J'ai-tu fait request? Ou bien j'ai oublié de cliquer sur frame. OK. Clique là. Donne-moi-en un. Bon, successful. Alright. Lui, on va s'en servir pour configurer ça. Toi, il exporte des frames. Fait que là, en théorie, si j'enlève un frame, il devrait en mettre un automatique. En théorie. Bien entendu. Bon, ça a l'air, ma théorie est pas bonne. Damn it! Étrange. C'est parce qu'il peut pas insérer. Vous voyez, supposer. J'ai quand même 3. Le système devrait fonctionner jusqu'ici, right? C'est parce qu'il essaie de mettre là, tu penses? OK. Va peut-être falloir y aller manuellement pour les frames. On va essayer de trouver une solution. J'aime ça que ce soit fait automatique. C'est pas la fin du monde. Les frames durent assez longtemps. Ça veut dire... Alright! Fait que là, ces ruches-là sont automatisées, les abeilles vont se recycler automatiquement, j'aurai pas besoin de venir ici de les changer à la main, ça veut dire que je vais accumuler beaucoup de propolis puis de miel, ce qui est merveilleux. Faudrait que j'automatise les autres, je ferai ça dans mes temps libres, je vais faire ça en arrière de la caméra, automatiser ceux-là aussi. Fait que, je pense pour aujourd'hui, ça va être en masse. Prochain épisode, ce que je veux faire, on va commencer à jouer avec la génétique. Ça me prend, j'ai deux types d'abeilles, j'ai les Industrious, que ça me prend, puis l'autre, c'est pas grave, je me souviens pas du nom, mais j'ai deux types d'abeilles spécifiques que j'ai besoin. Fait qu'il va falloir commencer à croiser des abeilles jusqu'à qu'on ait la génétique qu'on a besoin. C'est pas bien compliqué, mais il y a des règles à suivre, puis c'est ça que je vais vous montrer. Comment atteindre ces abeilles-là. Ce qui va vous donner du pollen. Vous allez pouvoir produire du pollen. OK? Puis on a besoin... Checkez bien ça. Alviary. Faut faire ces blocs-là. Faut faire des scented panning. OK, c'est ça. Ça prend du royal jelly, de la gelée royale, puis du pollen. Fait qu'il y a deux types d'abeilles. Il y a un type d'abeille qui fait du pollen, puis un type d'abeille qui fait de la gelée royale. Puis, prochain épisode, ça va être ça. Ça va être fait des croisements... croisement, par-dessus croisement, jusqu'à temps qu'on atteigne les deux types d'abeilles qui produisent ces affaires-là. Il y a le Industrious, je sais pas qu'est-ce qu'elle produit, le pollen, le gelée royale, puis il y en a un autre qu'on a besoin et tout. Fait que c'est ça. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. Je vous dis, c'est un bon petit système, ça, qu'un système automatisé de même. Anyways, si vous avez apprécié, vous avez appris quelque chose, laissez-moi un petit j'aime, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, faites quelque chose. Je vous en supplie! OK, m'arrêtez de faire la cave. Anyways, attention à vous autres, là. Bye!